Il fait froid, très froid. La neige a tout recouvert. Un homme pressé, tout en mitouflé, laisse tomber sa moufle rouge dans la neige glacée. Il ne s'en rend même pas compte, il continue son chemin. Un peu plus tard, une souris passe en trottinant. Ses pattes sont toutes gelées. Tiens, une moufle rouge. La souris s'approche, regarde à l'intérieur. Il n'y a personne. Elle rentre, visite tranquillement, se roule en boule et s'endort sur le champ. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais non. Voilà qu'une grenouille arrive en faisant des bonds très hauts. Ses pattes sont toutes gelées. Tiens, une moufle rouge. Comme ça a l'air chaud à l'intérieur. La grenouille s'approche. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, il y a moi, répond la souris endormie. Est-ce que je peux entrer? Mes pattes sont gelées, demande la grenouille. Si tu veux, répond la souris ennuyée. Et voilà la grenouille qui rentre dans la moufle. Elles sont deux maintenant dans la moufle. La souris et la grenouille. Et il fait bien chaud à l'intérieur. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà que surgit un renard. Un renard frigorifié qui voit la moufle rouge abandonnée. Mais comme il est très mal élevé, il ne demande rien et entre à son tour dans la moufle rouge qui commence à craquer. Ils sont trois dans la moufle maintenant. La souris, la grenouille et le renard. Et ils ont bien chaud. Ils sont surtout aussi très serrés. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais un ours un peu bêta, arrive là. Il est tout gelé. Tiens, une moufle rouge. L'ours s'approche. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, il y a nous, répondent la souris, la grenouille et le renard. Vous avez l'air d'avoir bien chaud. Est-ce que je peux rentrer moi aussi? Ah non, disent-ils, tu es bien trop gros. Alors l'ours reste à côté et se met à pleurer. Mais moi j'ai froid. Et vous avez l'air d'être bien au chaud. Alors, tout le monde accepte de laisser rentrer l'ours potelé. Il entre la tête et la moufle craque encore. Une patte, deux pattes, la moufle craque encore plus. Les pattes, la moufle est prête d'exploser. Mais l'ours arrive à rentrer. Ils sont quatre maintenant à l'intérieur. La souris, la grenouille, le renard et l'ours. Ils sont tellement serrés qu'ils ne peuvent plus bouger. C'est alors qu'une petite fourmi, perdue dans la neige, repère la moufle rouge. Elle se glisse dedans sans rien demander à personne. Mais c'en est trop pour la moufle qui explose. Tout le monde roule dans la neige. Ils sont cinq dans la neige. La souris, la grenouille, le renard, l'ours et la fourmi. Mais ils sont quatre à regarder cette fourmi qui a tout fait rater. Aura-t-elle une idée pour réchauffer leurs pattes gelées ?